Mes chers amis, comme je l'avais promis, nous sommes à quelques jours de Haïb Elul, c'est-à-dire le 18 Elul. Et pour les adeptes comme moi de la Hassidout, eh bien, on ne peut pas ne pas parler de deux piliers de ce monde qui sont Rabbi Israël Baal Shem Tov ben Eliezer et Rabbi Shneur Zalman Miladi Baal Atania, qui sont nés tous les deux le 18 Elul et qui sont bien sûr liés intrinsèquement. Le Baal HaTanya, donc Rabbi Shneur Zalman étant un descendant direct de Rabbi Israël Baal Shem Tov, on va parler de la naissance et de l'œuvre de ces deux géants. Et on va commencer par Rabbeinu Mourinu Maran Or Shivat HaYamim, on l'appelle la lumière des sept jours, c'est-à-dire des sept jours de la semaine. Rabbi Israël Baal Shem Tov, il éclaire toute notre semaine par sa kdusha. Vous savez que Rabbi Israël Baal Shem Tov est le descendant direct de David HaMelech. C'est un tzaddik yesod olam. Le temps me manque de vous raconter, de parler de manière détaillée de ce tzaddik kadosh elyon, et mettre cette neshama qui est venue à point nommé. À un moment, le Ham Israël était dans la détresse la plus totale. HaKadosh Baruch Hu envoie l'âme de Rabbi Israël Baal Shem Tov pour égayer et redonner le moral aux populations juives européennes qui étaient vraiment au plus bas. Israël Baal Shem Tov, Elul, elle est le 18 Elul de Shanat, de l'année Tanakh. Tanakh, ça vient en même temps, Tanakh, ça fait 5458. On est en 5782, d'après plus de trois siècles. Et Tanakh, en même temps, c'est les otiyot de Nahat, qui veut dire calme, apaisement. Parce que quand il est né, il y a eu apaisement, comme j'ai expliqué tout à l'heure, au niveau du monde et au niveau des communautés. Et Rabbi Shneur Zalman Miladi, qui est le fondateur, bien sûr, de Chabad, lui, il est né le mercredi 18 Elul aussi, mais l'année Taka, c'est-à-dire 5505, exactement. Donc il y a peu de temps qui sépare les deux Tzaddikim Kedoshim. Voilà. Et donc, parce que justement, ce jour sacré du 18 Elul sont descendus dans ce monde les âmes de ces deux grands Tzadikim. Donc c'est un jour meyuhad. Je vous conseille tous d'allumer un verre et une bougie et de prier, car c'est ce qu'on appelle un moment de Et Ratzon, un moment de bonne volonté de HaKadosh Baruch Hu. Il y a moins de din dans le monde et c'est un jour qui est approprié pour les délivrances. Si quelqu'un que Dieu en préserve a dans sa famille quelqu'un de malade, ou a quelqu'un qui n'arrive pas à avoir d'enfant, ou qui a des demandes à faire, profiter du 18 Elul pour justement demander à Kadosh Baruch Hu. On est aujourd'hui le 15, donc 15 dimanche, 16 lundi, 17 mardi, donc 18, ça sera le mercredi qui vient. Donc on va raconter l'histoire du Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, il est né dans une ville qui s'appelle Kop, Ekop, en Ukraine, hein, et il avait deux parents qui étaient déjà âgés. Son papa s'appelait Rabbi Eliezer et la rabbanie s'appelait Sarah. Rabbi Eliezer était quelqu'un qui vendait du pain, quelqu'un de modeste qui vendait du pain, et sa femme, eh bien la pauvre, elle était couturière, elle cousait les habits des personnes, et c'est comme ça qu'ils arrivaient à se nourrir. Et parce qu'ils avaient un cœur, un grand cœur, et ils étaient miséricordieux. Alors ils prenaient pas d'argent, non seulement au niveau du pain, mais pour aussi la couture aux gens qui n'avaient pas les moyens. Mais les pauvres, ils étaient très tristes, Rabbi Eliezer et sa femme Sarah, parce que ils n'avaient pas malheureusement d'enfants. Ils sont restés plusieurs années mariés, malheureusement, ils n'ont pas eu d'enfants. Ils ont beaucoup pleuré, ils ont beaucoup prié, ils ont beaucoup supplié, mais malheureusement, ils n'ont pas été entendus. Ça, ce sont les desseins de HaKadosh Baruch Hu. Un jour, Rabbi Eliezer et sa femme ont décidé, avec les économies qu'ils avaient faites, d'acheter des lits, d'acheter de la vaisselle, d'acheter tout ce qu'il fallait et d'ouvrir leur maison
en genre d'auberge, pas pour faire de l'argent, mais pour recevoir tous ceux qui n'avaient pas où dormir, où passer le Shabbat, les Aniyim, etc., etc. Et donc, ils ont, ils ont organisé leur maison en fonction de cela, préparé des lits, de la vaisselle, ils achetaient de la nourriture régulièrement, et des repas chauds qu'ils servaient et recevaient régulièrement chez eux, beaucoup de monde le Shabbat, beaucoup de... Un Shabbat, précisément, Rabbi Eliezer était assis avec ses invités autour de la table et la porte s'est ouverte soudainement et est rentré un mendiant un peu bizarre avec un grand sac. Et il prend ce grand sac, il ouvre et il déverse partout. Il y avait à l'intérieur plein de choses de la rue, des vieilleries à l'intérieur de ce sac, des choses qui étaient en plus mouktsées. On n'avait pas le droit de toucher à Shabbat, des tuyaux, un peu de tout. Et ce pauvre étrange était en train de les remuer dans tous les sens. Les gens qui étaient là-bas étaient outrés. Comment on peut faire ça, Rabbi Eliezer, ce tzaddik, qui le reçoit aussi bien d'être mehallel Shabbat devant lui? Rabbi Eliezer, lui, n'a pas changé d'attitude. Au contraire, il n'a pas relevé, il est allé vers ce Hani, il lui a donné un bon plat, de belle nourriture, il lui a servi un bon vin, et il a parlé avec lui, il a réjoui cette personne, et la personne, elle a continué tout le Shabbat à faire ce qu'elle avait l'habitude de faire. Il y avait même des pièces à l'intérieur de ce sac qu'il touchait pendant Shabbat, et tout le monde disait vraiment, c'est une boucha, c'est une honte de faire ça à Rabbi Eliezer. Mais Rabbi Eliezer, toujours avec son amour, sa ferveur, sa chaleur, il continuait à s'occuper de lui comme de tous les autres invités. Et il essayait même de réjouir cet invité. Et Rabbi Eliezer, il avait l'habitude que toute personne qui arrivait chez lui le Shabbat, eh bien, il le gardait avec lui jusqu'au moins dimanche. Donc, il passait tout le Shabbat, il dormait jusqu'au moins dimanche. Et il a fait la même chose avec cet étrange pauvre. Et il a même demandé à cet étrange pauvre, il lui a dit, à chaque fois que tu viendras dans cette ville, eh bien, fais-moi le plaisir de venir chez nous à la maison, on te recevra avec l'amour et la chaleur que tu mérites. Et Rabbi Eliezer décide de raccompagner cet étrange pauvre. Et l'étrange pauvre, avant de partir, il se retourne vers lui et lui dit, « Da'alecha, sache, Rabbi Eliezer, que je ne suis pas le pauvre que tu crois. Je suis Eliyahu Hanavi Zachor Letov et j'ai été envoyé par HaKadosh Baruch Hu pour t'annoncer une bonne nouvelle. Car ce que tu as fait, ce que tu fais chez toi à la maison avec ton épouse a fait beaucoup de bruit dans les cieux et tous les anges se sont réunis pour demander à HaKadosh Baruch Hu qu'on t'offre, qu'on te donne un sachar. Mais en même temps, comme malheureusement il y a des anges, il y a aussi des procureurs et les procureurs ont dit peut-être s'ils font ça, ils le font de manière intéressée, ils le font pas les Shem Shamaïm, etc. Il y avait une discussion, savoir si on te donnait un sachar ou on te donnait pas un salaire. Et donc il a été décidé que je descende comme d'habitude, moi mettre à l'épreuve. Et donc on est descendu et tu as vu ce que j'ai fait ce Shabbat et malgré tout tu n'as pas changé d'attitude et tu m'as reçu avec beaucoup de kavod et tu as fait tout ce qu'il fallait et tu as été chaleureux avec moi et tu t'es bien occupé de moi et pour cela je te promets et j'ai été envoyé justement spécialement par HaKadosh Baruch Hu que au même moment, à la même date, l'année prochaine, puisque tu as passé l'épreuve, eh bien, vous aurez un enfant malgré votre âge avancé. Mais sache que l'âme de cet enfant est une âme très spéciale, une grande âme. Et il faudra faire très attention car c'est une âme qui illuminera le monde par sa grandeur et jamais il n'y aura quelqu'un d'aussi grand que lui. Et Eliyahu HaNavi a terminé ses paroles et il a disparu. Et au bout d'une année, bien sûr, le lundi 18 Elul de Shana Tanakh, comme j'ai dit tout à l'heure, l'année 1458, eh bien, est né Morenu Verabenu Or Shivat Hayamim Rabbi Israël Ben Eliezer Habaal Shem Tov. Et on l'a appelé, pourquoi on l'a appelé Israël? Car je l'ai dit tout à l'heure,
D'abord parce que sa venue à lui a fait un bien fou à tout le Ham Israël, hein, et il est devenu vraiment le référent de tout le Ham Israël à une période où, j'ai expliqué, le Ham Israël était, les Juifs vivaient des périodes très très sombres. Mais malheureusement, étant donné que les parents de Rabbi Israël étaient âgés, donc ils n'ont pas eu le temps, beaucoup, de profiter de lui, ils sont morts quand il était encore très jeune, il avait que 5 ans. Donc et sa maman, quelques temps après, son père est mort quand il avait 5 ans, et sa maman quelques années après, et donc il est resté orphelin très jeune. Avant de décéder, Rabbi Eliezer le Tzadik, il a appelé son fils unique, et il lui a laissé cet héritage, ses paroles en héritage, et il lui a dit: mon fils aimé, mon fils adoré. Voilà ce qu'il lui a dit exactement. Je vais te laisser deux principes que tu devras adopter toute ta vie. Le premier, que tu n'aies peur jamais d'aucun être humain sur terre et de ce qu'ils pourraient éventuellement te faire, à part le seul que tu dois craindre, c'est HaKadosh Baruch Hu. Ça, c'est la première chose. N'aie jamais peur de personne à part HaKadosh Baruch Hu. Et la deuxième, aime chaque juif, quel qu'il soit, quoi qu'il fasse, avec toute la ferveur de ton âme. Voilà les deux principes que le père a laissés à son fils. Bien sûr, ces paroles émanant d'un tzaddik comme Rabbi Eliezer, qui sortaient du cœur de Rabbi Eliezer, sont rentrées, comme il est dit, Dvarim ayotzim min halev nichnasim lalev. Paroles qui sont dites avec ferveur et avec amour rentrent de la même manière, avec faveur et avec amour, dans le cœur de celui qui les reçoit. Et c'est pour cela que Rabbi Israël Baal Shem Tov ne s'est jamais départi de ces deux principes toute sa vie. Et donc, la première partie de ce testament, on va dire, spirituel, de ne jamais avoir peur de qui que ce soit, il l'a rentré très profondément dans son cœur, Rabbi Israël Baal Shem Tov. Il avait énormément de courage. Il n'a jamais eu peur de quoi que ce soit dans sa vie. Il n'a jamais été inquiété, même des événements les plus difficiles. Et Dieu sait s'il a eu beaucoup d'opposants, Rabbi Israël Baal Shem Tov. Et déjà, tout petit, il s'isolait, il allait dans des endroits, dans des forêts, la nuit. Vous savez, la forêt, rentrait déjà la forêt dans la nuit, quand on est adulte, on tremble de peur. Rabbi Israël, il avait peur de rien. Il rentrait, et même quand il avait en face de lui des bêtes féroces, il n'a jamais eu peur, il n'a jamais été inquiété. Parce qu'il se rappelait de ce testament de son père. Et il a dit d'ailleurs sur lui, le Baal HaTanya, Rabbi Shneur Zalman, que du jour où il est né jusqu'au jour de son décès, il parle de lui, Rabbi Shneur Zalman, il n'a jamais senti, Rabbi Shneur, quelconque inquiétude ou peur dans le cœur de Rabbi Israël Ben Shom, même s'il était entouré de criminels ou de gens qui voulaient sa mort, il n'a jamais eu peur de sa vie. Et bien sûr, la deuxième partie, et c'est une des parties les plus merveilleuses qu'il a appliquée à la lettre, c'est d'aimer chaque juif, comme lui avait dit son père, quel qu'il soit, quel qu'il ait fait. D'ailleurs, Rabbi Israël Baal Shem Tov avait reproché à l'époque, les hassidim de l'époque ou les religieux de l'époque, en réalité, s'enfermaient chez eux et ne voulaient pas se mélanger aux Hamaharets, aux personnes qui n'étaient pas très religieuses, aux juifs qui ne suivaient pas les règles à la lettre, etc. Et donc, il laissait ces pauvres juifs continuer à fauter. Le religieux, lui, s'enfermait, ne pensait qu'à lui. Et le fauteur continuait à fauter. Et c'est là où il y a eu un fossé à l'intérieur du Ham Israël. Ça ne plaît pas que Dieu en préserve à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, au contraire, il veut que les juifs soient unis et que celui qui sait
que le sachant enseigne à l'ignorant. Or là, c'était le contraire. Le sachant ne pensait qu'à lui et il laissait l'ignorant à la dérive. Et ça, Rabbi Israël Baal Shem Tov l'a complètement changé. Il a demandé justement à ses élèves d'aller parcourir toutes les communautés et de ne jamais laisser un juif dans la solitude ou dans l'ignorance, d'aller vers lui. Et quel qu'il ait fait, ne jamais le que Dieu en préserve, le haïr ou le renier parce qu'il agissait pas comme il se devait, et au contraire, l'aimer de toute son âme, car malgré tout, c'était le fils d'Abraham, Isaac et de Jacob. Et il dit ici, il ramène ici le tzaddik, que l'amour que portait Rabbi Israël Baal Shem Tov n'avait aucun équivalent. Il n'y a jamais eu un équivalent. Et il a montré, il a dévoilé le Rabbi Israël Baal Shem Tov au travers de cet amour, la grandeur de chaque juif. Comme on dit, motzi, comme il est marqué, motzi yakar mizolel kefitiye, c'est-à-dire que il a extirpé, c'est comme vous savez, ce diamant qui tombe, ou cette pierre précieuse qui tombe dans la boue, eh bien, on sait que le diamant reste un diamant, et donc il ne suffit que de le sortir de la boue, de le laver, et le diamant retrouve son éclat. C'est ce qu'il faisait Rabbi Israël Baal Shem Tov avec chaque juif, même les juifs qui étaient les plus éloignés et les plus bourrés vers Ama Aret, il faisait ressortir ce qu'il y avait de plus beau en eux. Et il ramène quelque chose ici de sadique, il dit que l'amour qu'il avait pour chaque juif était équivalent, imaginez un petit peu, aux couples qui ont eu un enfant à la fin de leur vie. Imaginez un petit peu un couple qui attend toute sa vie un enfant qui ne l'a pas, à la fin de leur vie, à Kadosh Baruch Hu leur fait ce cadeau merveilleux. Comment ils vont aimer cet enfant? Eh bien, c'est de la même manière. Rabbi Israël Baal Shem Tov, il aimait chaque juif de cette manière. Pendant sa jeunesse, Rabbi Israël Baal Shem Tov, quand il avait 15 ans, comme il était malheureusement orphelin de père et de mère, il a habité pendant longtemps chez un couple de personnes âgées qui étaient des Amea Aratso, des gens qui n'étaient pas instruits, on va dire, qui savaient ni lire ni écrire, mais ils avaient une qualité extraordinaire, unique. De leur bout ne sortaient que des remerciements à Kadosh Baruch Hu. Et même si c'était des personnes qui n'avaient pas trop les moyens, les pauvres, qui étaient des personnes simples, qui n'étaient pas lettrées, qui étaient ignorants, à chaque fois qu'on les rencontrait, ils ne répétaient que, quand on leur disait comment vous allez, ils disaient, Shtaba, Shemola, Ad, Baruch, Hashem, Yom, Yom, que des, Tehilot, Hashem, louange à Dieu, etc. Que des remerciements, Yeshem, Hashem, et voilà, que le nom de Dieu soit béni, etc. Un jour, à cette même époque, quand Rabbi Israël a l'habitude de s'isoler dans la forêt, il a eu, très jeune, imaginez, je crois qu'il y a 16 ou 17 ans, Eliyahu Navi, Zachor Letov, qui était apparu à lui. Bien sûr que même déjà avant cela, Rabbi Israël Baal Shem Tov a eu la révélation de Rabbi de Eliyahu HaNavi Zachor Letov plusieurs fois. Mais cette fois-ci, quand il avait la révélation d'Eliyahu HaNavi, il était avec d'autres étudiants comme lui, d'autres tzaddikim comme lui, qu'il étudiait. Mais là, cette fois-ci, il a eu la révélation d'Eliyahu HaNavi dans la forêt seul. Et Rabbi Eliyahu HaNavi lui a dit la chose suivante. Il lui dit, sache, Rabbi Israël, que ta prière à toi, les Yehoudim, les Kavanot que tu mets dans tes prières, font beaucoup d'effet dans les mondes supérieurs et font énormément plaisir à Akadosh Baruch Hu. Mais s'il y a une chose qui fait encore beaucoup plus plaisir à Akadosh Baruch Hu, c'est les compliments et les louanges qui sortent de la bouche de ces deux vieilles personnes chez qui tu habites. Ça fait beaucoup d'impression, une grande impression à Akadosh Baruch Hu. Et Emet, ça transperce les cieux tellement ça plaît à l'Éternel, beaucoup plus que toutes tes études et tous les houdim et les kavanot que tu fais. Baruch ata Adonai Eloheinu Melech haolam shehakol nivra bo. Le 18 Elul de l'année 1484, le Baal Shem Tov, il avait 26 ans, est apparu à lui son maître, le prophète Ahia Shiloni. Ahia Shiloni qui avait vécu à l'époque de Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, et il a eu le privilège, Ahia Shiloni, ce Navi, d'assister au Matan Torah.
Mais en plus du fait qu'il a eu ce privilège d'assister au matin Torah, il a eu aussi ce mérite à Hiya Shiloni, que la partie, ce qu'on appelle Razil des Razil. Dans la Torah, il y a plusieurs parties. Et il y a ce qu'on appelle le Sod du Sod, c'est-à-dire la Hassidut, lui apparaisse à lui, soit son Helek à lui, qu'on lui confie cette partie à lui. Et plusieurs milliers d'années après, il est descendu, revenu dans ce monde, justement pour confier cette partie. Donc, c'est Razil des Razil, le secret du secret. Et donc, Torah ta Hassidut, entre les mains de Rabbi Israël Baal Shem Tov. Et en l'an 1494, le 18 Elul encore de cette année-là, quand le Baal Shem Tov avait 36 ans, on lui a ordonné du ciel, depuis le ciel, de dévoiler et de diffuser et de faire connaître la Torah de la Hassidut, donc ce qu'on appelle la Hassidut aujourd'hui. Au début, bien sûr, Rabbi Israël Baal Shem Tov a refusé, car il était quelqu'un d'extrêmement modeste et il ne voulait pas se faire connaître au monde, c'était sa nature à lui. Mais Béhémet, depuis le ciel, on lui a fait comprendre que c'était quelque chose de vital. Il avait continué pendant longtemps à refuser, on lui avait fait comprendre que c'était quelque chose de vital et que si il ne décidait pas à se dévoiler, à dévoiler Torah Tahassidut, le monde reviendrait au Tohu Bohu, que Dieu en préserve. Et donc c'est là où il a accepté Béhémet de le faire. Comme j'expliquais en début de cours, il est arrivé à un moment où le moral et on va dire le travail divin des Juifs de l'époque était au plus bas. Et celui qui a revigoré, qui a relancé, qui a ravivé cette flamme par cette Torah, le Torah d'Hassidut, eh bien, c'est Rabbi Israël Baal Shem Tov Zecher Tzadik Kadosh Barucha. Raconte Rabbi Yosef Yitzhak, un des admours de Lubavitch, que la naissance de Rabbi Israël Baal Shem Tov est à peu près 50 ans après les pogroms qu'il y avait eu par Imachemo Vezaro en Ukraine, Khmelnytsky, qui avait tué, je crois, plus de 100 000 juifs, les milices ukrainiennes. D'ailleurs, l'Ukraine, malheureusement, ça a toujours été le tombeau des juifs. Et je ne sais pas si c'est un hasard que ce qui arrive à l'Ukraine aujourd'hui, à mon avis, je prends cela comme une vengeance personnelle d'Akadosh Baruch Hu. Peut-être que les grands-parents de ceux qui souffrent aujourd'hui, je ne suis pas pour que j'en préserve leur souffrance, mais on ne peut pas empêcher un père de venger ses enfants, on ne peut pas empêcher Akadosh Baruch Hu de venger ses enfants. À l'époque de Khmelnytsky, il y a eu plus de 100 000 juifs qui ont été tués en une seule année, Rabotai. Une seule année, vous imaginez un petit peu. Et par la suite, après Imachemo Vezaro, à l'époque des nazis, les milices les plus terribles, pires que les Allemands, les Waffen-SS des milices ukrainiennes, ont été d'une sauvagerie et d'une monstruosité que vous ne pouvez pas imaginer. Il y avait énormément la bataille de juifs qui vivaient en Ukraine. Et d'ailleurs, la Torah ukrainienne est une Torah extraordinaire. Et malheureusement, le revers de la pièce, de la médaille, c'est qu'ils ont attiré à raviver beaucoup de jalousie. Et vous savez, quand il y a une crise ou quand il y a pauvreté dans un pays, les premiers qui sont malheureusement le bouc émissaire, eh bien, c'est le juif. Voilà. Alors, en l'an 5507, eh bien, le Baal Shem Tov a fait une Aliyat Neshama. Donc, vous savez, le Baal Shem Tov pouvait faire monter son âme et arriver dans les mondes supérieurs. Sa Amida, lui, elle durait des fois une heure et demie. Les élèves allaient manger, revenir, et le Baal Shem Tov était encore en train de faire de la Amida. Il était, lui, était bien sûr, son corps était là, mais lui, il s'était déjà téléporté. Il avait donc une Aliyat Neshama. Il était arrivé devant le Echal, l'endroit, la salle où était le futur, où est le futur Mashiach. Et alors, il avait dit, le Rabbi Israël Baal Shem Tov, au futur Mashiach. Il dit, alors, Matayavo Kvodo, quand est-ce que Maître, vous venez, quand est-ce que vous allez nous faire l'honneur de venir? Alors il lui a répondu, le Mashiach, il lui a dit, je viendrai quand la Torah que tu représentes, la Torah de la Hassidut, sera suffisamment diffusée et suffisamment comprise, et que toutes ces sources jailliront
dehors, alors je viendrai sur terre et je délivrerai le peuple juif. Pendant la fête de Shavuot de l'année 5520, que le Baal Shem Tov, il était très jeune, il avait 62 ans, sa neshama est montée au ciel, dans, bien sûr, au Saint des Saints. Kodesh HaKodashim, Rabbi Israël, Baal Shem Tov, Zchuto Nagen Aleinu Ve'al Kol Am Israël.